politiciens arrêtés injustement. Okay. Voilà pour ça, pas libéré parce qu'il n'a jamais été notifié. Bakangaye sans coup de force au Sahel Mukanda. Injustement, Jean-Marc a dénoncé qu'il n'y a que des voleurs. À la place de Jean-Marc Aboun, il faut mieux arrêter les voleurs. Les voleurs de 100 jours. Les voleurs qui ont pillé ce pays, l'argent de la Pandé. Baba, il dit pas c'est là. Baza Libana, ils sont en train de se réjouir. Mais Jean-Marc, injustement, il est emprisonné. Merci. Un message qui est fort. Préciser pour
Kaboul ou à Kaboul. Nous exigeons la libération sans condition. Arrêtez les voleurs. Arrêtez les voleurs. Non, qui maintenant? Arrêtez les voleurs. Arrêtez les voleurs. Arrêtez les voleurs. Kaboul n'est pas un voleur. Kaboul n'est pas un voleur. Alors libérez-les. Libérez Kaboul. Les régimes est sinon. Libérez jamais Kaboul à Kaboul. Libérez Kaboul. Libérez Kaboul. Voilà. Kabouya, tu es un pourri. Libérez, libérez, libérez prisonniers politiques, libérez. Arrêtez Nicolas Kazadou, je sais comment Kabou. Je suis la libération sans condition de l'honorable Jamal Kabou. Elle est recouverte. Arrêtez Nicolas Kazadou, libérez jamais. Vous avez la communication. La prison, c'est la place des criminels financiers de l'État. Nous disons non à l'instrumentalisation de la justice. Arrêtez les voleurs, libérez jamais Kokaboun. Jamais Kokaboun n'a rien fait. Il a dénoncé des faits de vie. Il a dénoncé des faits, c'est fini. Libérez jamais Kokaboun. Le peuple congolais a vraiment fatigué. Donc, l'insécurité partout. Partout, il y a de l'insécurité. Maintenant, nous exigeons la libération sans condition de notre président national, Jean-Marc Kaboul à Kaboul. La libération ou rien. Comment peut-on parler que les voleurs sont en train de rouler la jupe? Mais l'homme qui a dit la vérité est toujours dans la prison. Nous demandons la libération sans condition de notre président. Libérez-les. Il est incarcéré injustement à la prison. Nous avons besoin de notre président national. Nous avons été autorisés. Comme on a parlé du peuple.
Nous avons été autorisés de mener notre marche sur nos documents. On a tous les documents. On a tous les documents. On n'a rien fait du mal. On n'a pas des instruments. On marche pacifiquement. Au nom du pays, libérons les marchands. Pacifiquement. On ne fait pas les désordres. Laissez-nous calmement faire notre chemin. Se dirige-nous. On est là pour faire la marche pacifiquement. On nous sommes. On ne fait pas de l'hypocrisie. On l'état des droits. Or que l'état des droits n'existe pas dans ce pays. Nos policiers sont bien payés. A pris ce pays en otage. Oui, de pouvoir être comme ça, à commencer de recréer une rubrique pour incarcérer les opposants. Nous demandons avec autorisation. Mais un message est déjà passé. La police a compagné Binoti dans la première rue. La police, quand même, ça va déjà. Ça prend des chutes abusives. Ça parle du peuple. Nous sommes censés nous réjouir de nos biens. Quand même, il faut pas les bander à contre-traiter. Merci. Babi, Monsieur le Président, merci.